l'histoire de cette aventure tient à plusieurs paramètres. Il y avait à la cartoucherie 6 arts qui étaient implantés. Parallèlement, il y avait un Fab Lab et il s'avère que nous avions un bâtiment à Blagnac et je leur ai proposé de venir s'installer. Tout ça a permis de créer des espaces sur les nouvelles pratiques urbaines. Il y a quelque chose qui est en construction autour de la rue, autour des espaces qui ne sont plus les espaces dédiés avec le pignon sur rue, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané. Et il s'avère que nous avions un local qui était les anciens ateliers municipaux de la ville de Blagnac qui jouxte une usine. Et là, c'est l'idée qui est née de dire ben, on peut en faire un tiers-lieu. Qu'au fond, on pourrait appeler ça l'auberge espagnole. Parce qu'un tiers-lieu, c'est chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Le projet a pris le temps de grandir pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière, à l'arrivée du Fab Lab de la MJC sur le site, avec cette idée de créer de la dynamique avec le quartier, les habitants. On souhaitait être accompagné. On ne se sentait pas de partir tout seul. On savait qu'il y avait cet accompagnement avec Toulouse Métropole qui avait sollicité toutes les communes. Nous, on a sauté sur l'occasion. Cet accompagnement est très bénéfique pour nous parce qu'au fur et à mesure où le projet grandit, on se sent soutenu et on avance, on ne rate pas les étapes. Voilà. Notre attente, c'est aussi d'encourager encore plus le lien social. Notre attente, c'est aussi que ce tiers-lieu permette, quand on a des discussions, des débats, de faire passer un certain nombre de messages sur nos valeurs, les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité, les valeurs de respect des autres. Voilà, c'est aussi ça, on va créer un espace de convivialité sur ce lieu. Donc nous, c'était important d'aller voir les riverains, les habitants, et de discuter avec eux de ce qu'ils avaient envie d'y voir dans ce projet, de ce qu'ils avaient envie d'y faire. Donc il y avait un peu cette idée d'avoir les arts et les sports urbains. Donc on a la chance d'avoir le collectif de graffeurs autour de CISART. Il y avait aussi cette volonté de dépolluer et de travailler sur la végétalisation du site, mais aussi sur d'autres formes d'économie circulaire, sociale et solidaire, et d'avoir un pôle réemploi. L'originalité de ce projet, c'est qu'on a dû mettre en place une gouvernance collective. Donc cette gouvernance, bien sûr, s'appuie sur la ville de Blagnac, puisque ce sont la ville et propriétaires de ces lieux. Mais à côté de ça, donc, on a créé un comité de résidents avec les différentes associations qui sont parties prenantes. Une gouvernance coopérative, pour moi, c'est d'abord la participation de tous les acteurs de façon régulière. Les décisions soient réellement partagées et collectives. Mais on a cheminé. Au départ, on a dit on ne veut pas d'association là-dedans. Et puis bon, en fait, on a reçu la MJC des Arts, on reçoit le Repère Café. C'est pas un problème qu'il y ait des associations. En revanche, il faut que ces associations comprennent qu'elles doivent accueillir des personnes qui ne sont pas adhérentes de leur association. Le plus important, c'est ça. Il faut avoir cette ouverture-là. L'apport important dans ce tiers-lieu de ce mode de fonctionnement est que les différentes associations s'investissent dans le partage d'informations et dans la création des événements. On évite ainsi des doublons qu'il pourrait y avoir au niveau de certaines activités, de certains événements, et chacun s'investit pour le bon fonctionnement et la visibilité du site. On est au début de l'aventure. On n'a pas encore lancé les appels à manifestation d'intérêt, les travaux de mise aux normes des hangars. On voulait quand même commencer à vivre, à faire vivre le lieu et à le faire connaître. Donc on a créé les éphémères. Tous les deux mois, on a un rendez-vous public. On a autour d'un petit moment convivial, de petites restaurations, nos activités du Fab Lab, de Repair Café, de l'aérochrome avec CISART, et ce qui nous permet de faire vivre le lieu en parallèle des travaux et du développement du projet. Le projet est parti déjà d'un besoin de rénovation du bâtiment de la maison Les Risques, qui se trouve derrière moi. En fait, cette maison, elle répondait plus du tout aux normes d'accessibilité, point de vue des performances énergétiques. C'était une vieille bâtisse qui avait besoin quand même d'un rafraîchissement. Donc,
À l'arrivée aux responsabilités, les élus ont souhaité sonder la population pour voir qu'est-ce qu'ils y verraient dans ce bâtiment-là, qui est un bâtiment en plus très central, et donc avec un enjeu de territoire, d'emplacement qui est important pour la commune. Parce qu'au début, on ne savait pas qu'on voulait faire un tiers-lieu. On a interrogé la population. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que ce soit un lieu de partage, d'échange, de lieu de rencontre. Ce lieu devait être tout ça en même temps. Donc, l'intention de la collectivité, c'est de dynamiser la ville et dynamiser le centre-ville de Villeneuve et de répondre aux besoins des Villeneuvois. Donc, il y a eu une enquête auprès de la population. Et ce qui est ressorti, c'est que les gens avaient besoin de trouver un lieu où ils pouvaient avoir des initiatives citoyennes, pour créer du lien, un lieu en fait où on vient pas forcément pour y faire une activité en particulier, mais aussi tout simplement pour se retrouver, pour partager des choses en commun. Donc le bâtiment qui est derrière moi, c'est un bâtiment qui a été acheté par la commune dans les années 80, une bâtisse du 18e siècle. Ça a été une maison des associations, ça a été un centre culturel, une médiathèque. Il y a une priorité sur ce bâtiment pour qu'il soit rénové. Il y a aussi une question qui s'est posée, c'est de trouver une identité à ce bâtiment. Et donc, voilà la genèse du projet, c'est-à-dire, OK, on réhabilite un bâtiment, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est de là qu'est parti le projet de mise en place d'un tiers-lieu à Villeneuve-Tolosane. Il va y avoir l'installation d'un café. Alors, on ne sait pas encore exactement quelle forme il aura. On va se faire accompagner là-dessus, d'ailleurs, pour trouver un peu le modèle. On aura aussi un espace de coworking pour permettre aux télétravailleurs et aux auto-entrepreneurs d'avoir des bureaux aussi pour sortir un peu de chez eux. On aura aussi un espace un peu plus dédié au numérique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable demande sur de l'accompagnement de la population dans l'usage des outils numériques. Et puis après, on aura aussi des services municipaux qui s'y installeront. Ce qui est ressorti de nos enquêtes publiques, de nos consultations, d'y faire un café solidaire, un espace de coworking. Et là où un point positif, c'est qu'on a mené, on a créé un espace, un groupe plutôt, de travail avec des auto-entrepreneurs, des indépendants, des artisans de Villeneuve-Tolosane pour voir si ça pouvait les intéresser. Donc en fait, on a déjà réussi à embarquer, si j'ose dire, certains Villeneuvois sur la partie coworking. Donc en matière de gouvernance, on a en tête d'être partie prenante au moins au départ de la gouvernance du lieu. Mais aujourd'hui, tout est ouvert, on explore plusieurs pistes et c'est vraiment le sujet qui va arriver là dans les mois qui viennent. Comment va se traduire cette gouvernance partagée de ce lieu? Nous, ce qui nous a beaucoup servi, c'est le conseil de nous faire accompagner par la suite par France Active. C'est vrai qu'on s'est interrogé beaucoup sur le modèle de gouvernance, le fonctionnement, le modèle économique, c'est les choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, on n'est pas forcément compétent. Finalement, ça nous a beaucoup rassurés parce qu'on sait que maintenant, on est entre de bonnes mains pour poursuivre ce projet-là et qu'on aura à la fin quelque chose aussi de solide, de pérenne. Donc du coup, moi, je vois deux choses importantes dans le fait de travailler la gouvernance sur un projet de tiers-lieu. D'une part, c'est pour consolider le projet en interne, c'est-à-dire qu'un tiers-lieu va accueillir plusieurs structures avec des modèles, des finalités différentes, des missions différentes. Et du coup, travailler la gouvernance en interne, c'est ce qui permettra de pérenniser le projet, la solidité du projet dans le temps. Et d'autre part, en fait, c'est ce qui permet, sur travailler la gouvernance avec l'extérieur, avec son environnement, c'est ce qui permet qu'en fait le tiers-lieu soit vraiment pris en main par les usagers potentiels du lieu. C'est vraiment cet objectif. C'est pour ça que du coup, on les implique dans la construction, la définition dès le départ des activités, parce que c'est, j'allais dire, un des secrets ou une des clés qui fera que le lieu fonctionnera. Alors, pourquoi un tiers-lieu à l'Union ? Je pense que ce n'est pas une spécificité propre à l'Union, parce que dans tous les tiers-lieux, quelles que soient les activités que le tiers-lieu va abriter, ces tiers-lieux doivent permettre de créer du lien social.
Donc c'est vrai que le projet de tiers-lieu que nous avons à l'Union, ça fait quelque temps déjà que nous travaillons dessus. Premier point, si vous voulez, c'est vraiment déjà de créer du lien social. Que ce soit un espace de rencontre, un espace d'échange, que ce soit un lieu où justement tout le monde puisse venir se retrouver, assister à des ateliers, à des débats, des expositions, venir voir un spectacle, venir écouter de la musique. Voilà, on veut vraiment que ce soit un lieu qui crée du lien. Le constat a été fait sur une concertation concernant le cœur de ville, où il apparaissait que la demande des citoyens unionnais était celle de pouvoir avoir un lieu où on puisse se rencontrer, où on puisse élaborer des projets, où on puisse venir se poser, boire un verre. Début 2020, nous avons commencé à trouver le local adéquat et idéal, qui se trouve vraiment dans le cœur de ville tel qu'il est en train de commencer à se décider, qui est donc un lieu qui est historique, puisque c'est l'ancienne école, mairie-école de la ville. Alors pourquoi ici ? Ici, on est placé vraiment en cœur de ville. Si on reprend l'histoire de cette ville, l'animation, elle était ici, puisqu'on avait auparavant une mairie, une école. Et ensuite, on avait des maisons isolées, des petites fermes isolées, et ils se retrouvaient ici. Vous avez l'église en face. Donc, on retrouve cette envie de se retrouver dans ce cœur de ville. Le prochain tiers-lieu qui va ouvrir à l'Union va s'appeler l'Estanquet de l'Olivier. C'est un lieu où on va retrouver un café. Bien sûr, on pourra se retrouver, venir boire un coup ensemble, de la petite restauration rapide également. C'est un lieu qui accueillera beaucoup d'événements culturels. Et c'est également un lieu où on va pouvoir venir travailler, un petit espace de coworking. Donc c'est un lieu, on parle de café culturel, parce qu'effectivement, on souhaite que dans ce lieu, il y ait des animations, des actions culturelles, mais peut-être aussi des choses nouvelles, de propositions de citoyens ou d'associations unionnaises. Ça peut prendre proportion économie sociale et solidaire, coworking, etc. Voilà, mais on commence doucement et les choses se multiplieront au fil du temps. Nous sommes une association, l'Estanquet de l'Olivier. On a répondu à un appel d'offres qui avait été fait par la mairie. Donc nous, on va prendre la gestion du café culturel. On proposera des concerts, des expositions, du théâtre. On essaiera de proposer du coworking aussi, des coins lecture, jeux de société, puis tout simplement un lieu de rencontre intergénérationnelle. Tout ça se programme, bien sûr, avec des assos et des bénévoles qui vont être importants aussi pour le développement de ce lieu qui va être pour nous un lieu de rencontre encore et de partage. La collaboration avec la mairie va être importante pour ne pas faire de doublons parce qu'ils ont quand même une animation eux en interne et nous ce qu'on va apporter en plus c'est une animation et des ateliers à la semaine. On est à cette étape-là à bien définir cette gouvernance partagée entre le délégataire, les services municipaux, les élus, participation aussi des contributeurs, des usagers. On a des pistes, mais il faut la finaliser.